Bonjour les gens, on continue notre chasse au Korogu sur Zelda Breath of the Wild, j'espère que vous êtes chaud. Donc, alors, on est... hop, je vais juste vous montrer où est-ce qu'on est. On est ici, voilà. Donc pas loin des Gerudo. Et voilà, j'ai noté trois petites choses pour le moment. Voilà, je peux noter un autre, je sais qu'il y en a un autre là. Voilà. Et donc, on va continuer les Korogu. Donc... On va partir tout de suite en direction de du rouge. Non, on n'a pas eu le temps. Donc allez, c'est parti. Tac, hop, juste faire, si vous le voulez bien, ça. Voilà. Car oui. Dans l'épisode qui sort aujourd'hui, on s'attaque à l'aude au prodige. Je démarre l'aude au prodige, donc vraiment super, vraiment assez sympa comme. Attendez. Pourquoi vous avez pas de son? Tout de suite, c'est bon, attendez. Est-ce que vous entendez ce son? Quels sont ou pas? Non, vous avez pas le son. Ah, attendez. Pourquoi vous avez pas le son? Pourquoi il y a plus de son? D'habitude, ça marche très bien. Salut Pascal Manchon. Ça va nickel. Ça n'a rien à voir avec ça. Ok, bon bah attendez, je vais me remettre comme on fait d'habitude. Voilà, et là vous avez le son, ok. Pas moi du coup. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est bizarre que ça ait bugué comme ça. Wow! Mais tu... Te calmes, oui? Bon, ok, j'ai compris, on va se barrer. On va se casser. C'est relou. Attendez, ça me gêne de pas avoir le son en fait. Pourquoi est-ce que ça marche pas? Qu'est-ce qui se passe? Normalement, il est là. Censé tous avoir le son en fait. C'est comme ça qu'on passe depuis le début. Propri. Ok, c'est pour ça. Et il en a le son. Là, vous avez le son, voilà. Ok. Ok, bon, on va peut-être y avoir un petit décalage de son, le temps que ça se mette en place. Ok, donc là, vous voyez, on a... Là, on a un Korogu, ok. Est-ce qu'on a des épées de feu? Est-ce qu'on a des épées des sons? Une épée des flammes, pardon. J'ai le son. Oui, maintenant, vous avez le son. Oui, c'est normal. C'est normal que vous avez le son. Et avant, il n'y avait pas. Enfin, il n'y avait pas le son du jeu. Encore un coup.
Et voilà. Quoi, même pas? Si. T'abuses. Mais vraiment? C'est une blague? En même temps, je tire dans l'eau là, donc. Ah, ça marche même pas en fait ce que je fais. Tu vas faire les sanctuaires aussi? Non, aujourd'hui on fait Korogu. Korogu et puis entre guillemets mini-boss. Donc Linel et tout ça. Ça va passer ça ou pas? Ok, voilà. Et puis si vraiment on voit les sanctuaires, on va les noter, mais on les gardera pour les épisodes. Je préférerais. Ok, donc là-bas. Bon, je vais pas me soigner. Au pire, on a mis fa, voilà. T'as le masque Korogu, oui, on a le masque Korogu si besoin. Et puis, super. Et puis on a un bon tuto, quoi qu'il arrive. Super. Je te protégerai. Alors, oui. Un os de mobling, j'en ai pas besoin, mais bon. Je l'ai moi aussi. Bah, après, il reste quand même vraiment super utile si on fait pour de la chasse au Korogu. Il est pas obligatoire, certes, mais il reste utile. Alors, attendez, qu'est-ce que j'ai fait là? Ça, c'est fait. Tac, je me note sur la carte interactive. Et on a celui-là. Ok. Ok, on va aller au bleu maintenant. Le bleu qui est un Korogu. Hop, d'ailleurs, attendez, j'ai pas lancé le compteur de Korogu. Je sais même pas combien est-ce qu'on est en vrai. Non. Compteur. Run script. Et donc là, si je fais ça, très très utile, ouais. Voilà, on a le compteur de Korogu. Bon, à mon avis, qui n'est, enfin, qui n'est même sûrement pas à jour. Mais bon, on le mettra à jour quand on ira se TP. On va faire lequel là? Ok, je vois sur ma carte interactive où est-ce que c'est. Ok. La pierre est là. La pierre est là. Est-ce que tu as les bottes de neige? Je crois pas. Je crois que j'ai les bottes de sable, mais les bottes de neige, non. Je ne crois pas, du moins. Ah si, c'est les bottes de neige qu'on a. On peut les mettre, ceci dit, c'est vrai. Tac, non, une fois que tu m'as trouvé. Je mets pas le compteur à jour tant que. Enfin. Vu que. Voilà, je vais pas en rajouter. Je sais vraiment pas à combien est-ce qu'on est de base. Du coup, je préfère encore attendre. Plutôt que le mettre potentiellement à jour. Je préfère attendre et me dire, ok, il est vraiment à jour. Ok. On va du coup pouvoir aller au vert. Et on s'en est fait. Et on s'est. Et on s'est déjà fait 4 trucs, enfin 4 balises donc, que j'ai notées, donc c'est déjà pas mal. T'es plus rapide si tu mets les bottes de neige. Oui, non, mais je croyais que c'était les bottes de sable que j'avais. Je croyais que c'était les bottes de sable. Ah, j'espère que tu vas pas me saouler, toi. Ok. Est-ce que j'ai un moyen de faire un feu quelque part? Oui. Voilà. Hop, on va faire comme ça. Ouais, je préfère utiliser des flèches de feu. On en a masse. On peut se permettre. Tac. On n'est pas en rade, quoi.
Allumer le feu. 444, je crois qu'on en a même peut-être même un peu plus. Je sais même pas. Allez, on va dire. Allez, on va dire qu'on visait 150. On est peut-être à 150 en vrai. Vu qu'étant donné qu'on en récupère de temps en temps en épisode, donc je les compte pas. Je sais pas. Peut-être qu'on est à 150, je sais pas. Allumez le feu. Allumez le feu. Un nouveau corgo. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Hop, à la revoyure. Alors, ok. Du coup, maintenant, on a un Linel. Non, pas du tout un Linel. Un gardien ici. Ok. Ensuite, on a un Korogu. On a un autre gardien qui est là. On a un Korogu là-haut. Voilà. Hop, on va dans un premier temps se noter ça. Après, si on veut, voilà, on a un Korogu là. On va noter tout ça. Voilà, on va utiliser toutes les balises. Et on a un autre Korogu qui est. Oula. Il est où? Qui est par là. Ok. Bon, on va partir là-dessus pour le moment. Donc on part directement sur le vert. YOLO! Ok, je pensais que. Ok, je le vois le gardien. Il est pas très très caché, on va dire. Alors, ça. Tac. T'es à côté du désert Gardon, oui. Vraiment juste à côté. On est vraiment juste à côté du désert Gardon. Tac, ok, donc ça c'est fait. Ok. Parfait. Tac, donc on va juste désactiver la balise. En passant dessus. Si elle veut bien. C'est bon. Ok. Ensuite, on va aller au rose-violet. C'est pareil, c'est un gardien. D'ailleurs, question. Il y a. Comment formuler ma question sans trop spoil? Kilton, il a une quête. Sans trop préciser. Mince. Je fais n'importe quoi. Sans trop préciser ce que c'est. Moi, je sais ce que c'est, mais sans trop spoiler, je vais pas dire ce que c'est. Je veux juste savoir comment est-ce qu'on la déclenche, en fait. Si vous savez comment on la déclenche. Easy. Suivant. J'ai pas fini le jeu, t'inquiète. Ah, j'ai fini le jeu, t'inquiète. Pas, tu me spoil pas. Oui, non, mais même pour les gens qui pourraient regarder la rediff, tout ça, je préfère pas spoil. Et puis, vu que, enfin, je pars du principe que même moi, je connais pas trop le jeu. Enfin, je connais un petit peu, mais sans plus, je vais éviter de me spoil moi-même. Mais j'avoue que la quête de Kilton, je ne sais pas du tout comment elle est déclenchée. Donc, a priori, il y a un Korogu là. Il y a un Korogu là. Attendez, j'ai bien noté la bonne montagne, oui. Oh. Il y a un Korogu là. Alors, comment l'avoir?
Comment l'avoir celui-là? Kilton, tu le déclenches dans une quête à un relais d'Akala. Ok. Parce que là, j'ai eu la quête en fait où ça me demande de d'aller voir Kilton. Mais pour autant, je peux juste lui acheter ses masques en fait. Je peux pas déclencher sa quête à Kilton. Ah non, là, ok. Il n'y a pas de... Putain, mais je suis bien sur une montagne, je suis pas en train de délirer. Oui, et pour lui, il est vraiment là-dessus. D'après ma minimap, il est là. Ok. Donc après, ça peut être un... C'est une épreuve de vol. Je suis pratiquement sûr que c'est une épreuve de vol. Donc pour moi, ce serait d'en face. En fait, faudrait voler. Pour moi, faudrait voler de quelque part. Vu la configuration que c'est, je le sens bien. Donc je pense qu'il faut venir de la colline. Oui, d'ailleurs, oui. Pour ceux qui regardent tous les épisodes, il y a un épisode qui sort à 17h où vous allez voir, enfin, un gros, enfin, à moins de la moitié, on va dire, de l'épisode, vous ne pouvez pas aller plus loin. Comment ça? C'est la limite de la map. Ok. Donc, c'est pas là. Donc, c'est pas là. Ok. Mais alors, il est où, celui-là? Mais alors, comment est-ce que je l'ai, celui-là? Comment est-ce qu'on déclenche ce Korogu? Attendez, parce qu'en plus, on est considéré... Je vais te faire regarder sur Internet. Attendez. Ok, excusez-moi. Voilà. C'est ton jeu préféré. Ok, il y a un décalage de son, ça va revenir. C'est ton jeu préféré. Zelda. Je sais pas, de là dire que c'est mon jeu préféré. Je sais pas. Mais c'est un très bon jeu. Après, est-ce que c'est vraiment mon préféré? Oh, le décalage qu'il y a. Ok, je vais faire ça. Voilà, ça va le recharger, voilà. Alors, là, on est à quel tour? Moi, c'est mon jeu préféré. Après, oui, il est excellent. Mais après, je sais vraiment pas si c'est mon jeu préféré, en fait. Parce que, voilà, j'ai vraiment... Enfin, il y a vraiment beaucoup de bons jeux aussi. Donc, il est magnifique, ce jeu. C'est vrai qu'il est très très sympa. Bon, après, il a des défauts, mais comme tout jeu. Mais il est sympa. Désert. Je vois même pas le Korogu que je cherche, en fait. Attendez, c'est pas ça? Non. Nous, là, on est dans le désert. Tes goûts. Oui, c'est ça. Après, voilà, il a comme quelques petits défauts. Je pense notamment aux chevaux qui sont pas terribles à contrôler. Voilà, il a... C'est pas non plus le jeu parfait. Mais il est sympa. Putain, mais je trouve pas ce foutu Korogu. C'est celui-là. C'est sûr que c'est celui-là. Ok. Donc, ok, je vois comment l'avoir. Faut qu'on aille sur... En même temps, ça paraît logique. Faut qu'on aille là-bas. Ok. Mais après, oui, c'est un très bon Zelda. Bien que...
avec du recul, je le trouve peut-être un peu trop long en fait. Enfin, en fait, je trouve que voilà, les Korgus, déjà, je trouve qu'il y en a beaucoup trop pour une récompense. Pour ceux qui connaissent pas la récompense, vous attendez pas du ouf. C'est une la récompense est décevante. Et enfin, les sanctuaires, je trouve. Après, ceci dit, ça se fait bien, mais je trouve en fait que c'est peut-être un peu répétitif. Enfin, attendez, je cherche ce que je veux. Et je finis ma phrase juste après. Mais qu'est-ce que je viens de faire? Et je fais n'importe quoi. Ok. Ce que je voulais dire, c'est que je trouve peut-être qu'à la limite, pour quelqu'un qui fait uniquement le 100%, puis uniquement l'équipe, tout ça, ça doit être vachement répétitif. Et c'est pour ça que je préfère voilà, faire un peu de Korogu pendant le let's play et tout ça. Pour pas que ce soit non plus trop répétitif, parce qu'il y en a vraiment beaucoup en fait. Mais bon, on verra. Oula, j'ai été peut-être un petit peu trop gourmand. Un petit peu trop fait le malin. Alors que ça passe tranquillement si je fais pas n'importe quoi. Ah oui, non, après ça reste un très bon jeu, Breath of the Wild. Je suis pas en train de dire le contraire, c'est peut-être même l'un des meilleurs Zelda. Nostalgie mis à part. Parce que pour moi, Nostalgie mis à part, c'est peut-être l'un des meilleurs Zelda. Et au Link? Et voilà, un nouveau Korgu. On continue. De rien. Parce que... Après, pour moi, le meilleur Zelda... je sais pas. Je vais peut-être vous dire TP, parce que j'adore l'ambiance méga sombre. Vous allez me dire, ouais, mais il y a Majora's Mask, je trouve que c'est trop... C'est trop dark, en fait. Enfin, non. Majora's Mask, ce qui me dérange, c'est pas que ce soit trop dark. C'est que c'est morbide, en fait. Là où TP, pour moi, c'est dark. Après, j'aimerais bien tester Skyward Sword. TP était trop bien. TP était bien. Wind Waker était sympa. Wind Waker, on l'a fait, il était vraiment super sympa. Après, voilà, je suis pas non plus... Enfin, je suis encore en train de les découvrir, les Zelda, et puis il y en a beaucoup. Mine de rien. Enfin, si on ne compte pas que les 3D, il y en a beaucoup. Et si on compte que les 3D, en vrai, il nous manque quoi? Il nous manque Skyward Sword et TP, qu'on n'a pas encore fait. D'ailleurs, oui, ok, je fais n'importe quoi. J'arrive même plus à grimper. Bon, vous savez quoi? Ocarina of Time, aussi, le côté d'enfant adulte, oui. Ocarina of Time est génial parce qu'en plus, voilà, il y a le côté... c'est le début qui est génial. Oui, je tenais à vous dire, je sais pas si vous l'avez vu, oula, mais Pikmin a été annoncé, Pikmin 3 a été annoncé pour avoir un remake sur Switch. Il est fort probable, voire même, il est même pratiquement sûr qu'il y a un petit let's play sur Pikmin 3. On a fait Pikmin 1, c'était sympa.
On n'a pas fait Pikmin 2, mais bon, on va faire Pikmin 3. Ça, c'est sûr. Mais bon, pour le moment, je pense que vous l'avez vu, il y a beaucoup de choses sur la chaîne. Pikmin 3 Deluxe, oui, c'est ça. Pikmin 3 Deluxe. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme prochain Korogu? Parce que en soi, il y en a un qui est là. Qui est, ouais, là. Tac. Il y en... Et après, les autres... Ah, les autres, c'est plus haut, en fait. Moi, j'ai essayé, je suis pas fan. Moi, je suis pas trop fan de Pikmin. C'est différent. C'est vrai que Pikmin, je vais pas vous le cacher, c'est différent. Mais moi j'aime bien, personnellement. Après voilà, encore une fois, c'est les goûts et les couleurs. Pas tout le monde ne peut pas tout aimer en fait. Ce qui est normal. Mais c'est vrai que même pour ne rien vous cacher, je préfère de loin Zelda à Mario qu'un Pikmin. Oui. Ça oui. Mais un petit Pikmin de temps en temps ne me dérange pas. Surtout Pikmin 3 apparemment est vraiment vraiment super sympa. Ok, donc là on a un sanctuaire là. Donc ok. Tac, on va pouvoir faire tout ça. Puis après on va re-TP. Wow, j'ai galère avec la paroisse. Tac, et puis on va pouvoir mettre également à jour le compteur. Ok. Bonjour Korogu. Là non. Ouais mais il tient pas. Tu n'auras jamais. Ah non, ok. Ils sont inversés les deux. Deux. Pourquoi je vois pas de différence? Parce que la différence est juste là. Eh oh. Voilà. De rien. Ensuite, sur lequel est-ce qu'on va? Sur le violet. Pokémon épée bouclier, oui, je compte les faire. Plus tard, oula. Plus tard, déjà, j'aimerais bien faire Soleil et Lune. D'ailleurs, en parlant de ça, ça m'a fait marrer les gens qui. Enfin, je passe ça assez régulièrement sur des streams de gens qui font épée bouclier. Et souvent, j'entends, ouais, de toute façon, épée bouclier, enfin, il n'y a qu'un seul officiellement vrai starter qui serait. Pour beaucoup pire au but, je suis pas du tout d'accord en fait. Merde, c'est vraiment plus. Comment est-ce que je suis là pour résister à la chaleur, les gens? Parce que je veux dire, quoi qu'il arrive, j'ai chaud en fait. Je vais mourir de chaud en fait. Enfin. Pour beaucoup, voilà, le seul starter c'est Pyro. Enfin, le starter c'est Pyro but. Moi, je suis pas du tout d'accord. Enfin, voire même, je vais vous le dire clair ça. Enfin, je vais vous le dire clairement. Pyro but, moi, j'aime pas. Enfin, excusez-moi, mais un footballeur, un Pokémon footballeur, ça m'intéresse pas. Je préfère de loin le plante. Il a une tenue qui résiste à la chaleur, mais c'est pas censé être celle-là. C'est pas censé être celle-ci. C'est pas censé être cette tenue-là.
Donc ouais, enfin moi personnellement, enfin Pyro But, autant j'aime bien la Pyro, autant j'aime bien pareil son évolution, mais alors le footballeur, enfin désolé mais moi ça m'intéresse pas du tout, enfin un Pokémon footballeur. Non, il y a une tenue Gyarou. Tenue que tu dois acheter au village Gyarudo. Ok, bah on va voir ça. On y j'irai voir. Attendez, parce que là je suis où en plus? Je vois même pas où est-ce que je suis. Ok, je suis là. Ok, donc techniquement c'est plus là pour lui. Mais voilà, c'est mon avis sur Pyro But. Après voilà, ça veut pas dire que Pyro But n'est pas un bon Pokémon, au contraire, mais c'est juste pas mon style. Ouais, je suis vraiment si aveugle que ça. D'après le wiki, il y aurait une pierre, mais je la vois pas. On est d'accord pour dire qu'il n'y a pas de pierre. Attends, j'ai bien noté la bonne colline. Bah oui. Qu'est-ce que je suis censé faire? Il faut espionner. Attendez, il y a un problème là. Ou alors c'est pas celui-là. C'est possiblement pas celui-là en fait que je regarde. C'est quoi celui-là? C'est qu'en plus, comme je l'ai fait pas dans l'ordre de ce wiki-là, c'est assez. Enfin, voilà, je me balade et puis je fais ce que je vois. Mais je suis pas vraiment le wiki. Ce qui fait que ça fait. Du caca. Alors celui-là non. Celui-là non plus. Alors celui-là, je ne comprends pas. Où est-ce qu'il est? Bah, il y a un Corgou ici qui est là. Mais alors, où l'avoir? Bah écoutez, on va faire la bonne vieille technique où on prend absolument toutes les images. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Si vous savez, n'hésitez pas. Pour le coup. Bah, je suis vraiment si fou que ça. Il n'y a pas de souci, Pascal. Pas de souci. Merci à toi d'être passé. Mais c'est un délire ce truc. Non. Non. Ah, peut-être parce qu'on n'est pas considéré comme étant dans les Landes en fait. Ça paraît très étrange, mais bon. Peut-être considéré comme étant dans la comté Gerudo.
Ouais, c'est peut-être bien ça. C'est peut-être bien ça. On est peut-être considéré comme étant chez les régions Gerudo. Donc on est peut-être considéré. Bah, quoique. Est-ce que vous pensez qu'on est considéré sur la tour Gerudo? Tour Gerudo qui est. Oh, elle est loin quand même. Ça n'a rien à voir. Je sais pas, en vrai. On va voir. Est-ce que c'est ça? C'est pas là. Bon, ok. Celui-là, je ne comprends pas. C'est bizarre. C'est bizarre pour le coup que je comprenne pas. Et pour moi, il vient vraiment de la tour des Landes Sauvages. On va voir, attendez. On va voir sur les autres s'il n'y a pas quelque chose. Dégage. Là, il y a une pierre. Non. Là, il y a un truc déjà. Des flèches explosives, ok. Qu'est-ce que c'est que ça? Dégage. Alors, ici, non. Qu'est-ce que ça non plus? Oh les enfants! Oh les petits enfoirés! Oh les enfoirés. Tant, tant, tant. Ok, ça c'est fait. On continue. Alors, on va par où on a dit? On va ici, sur celui-là. Le jaune, le jaune. Tu peux utiliser ma prière à tout moment. D'accord. Que là, j'ai fait un truc. Attendez, deux petites secondes, ça prend 2 secondes. C'est bon, j'ai vu ce que je voulais voir. Tac. Pourquoi il y a eu des bugs de vidéo cette semaine? Parce que j'ai travaillé, j'ai pas eu le temps de tout prévoir. Donc voilà, c'est tout. Et
semaine prochaine aussi. Semaine prochaine, ça va être faire la même chose. Donc voilà. Pourquoi ? Que je serais pas là ? Non. On m'a l'air d'être sur cette arche là. C'est bien sur cette arche là. C'est sur l'arche, ok. La petite lune de sang. Allez, vas-y. Je t'attends. Oh. Ok. Bon, la lune de sang elle brille à nouveau cette nuit, fais gaffe, voilà. Ok, donc celui-là, a priori, je peux pas le faire comme ça en fait. Du coup, je vous propose qu'on aille. Donc celui-là. Ok, celui-là, on peut pas le faire pour le moment. Ok. On va se TP où? On va se TP ici. Tac, et puis en même temps, on va mettre le compteur à jour. On a combien en tout? Ah ah! Pourquoi ça ne marche pas? Parce que j'ai pas passé le bon bouton. Parfait. Alors, du coup, on a un Korogu ici. Donc, celui qu'on va faire, c'est celui-là. Ok, donc ok, ici. Ok, la pierre est là. La pierre est là. Tac, non, une feuille tu m'as trouvé. Oula, à la rayure. Ensuite, du coup, on a dit le jaune, on peut pas encore le faire. Parce que le jaune, va falloir qu'on retourne à la Kanté Gerudo. À la cité Gerudo. Donc, du coup, on va faire le bleu. Quoique, en vrai, je me pose une question. Oui, mais non. Parce qu'en vrai, c'est toute la tenue. Mais si je fais ça, ouais, voilà, on a froid. Donc, non.
Donc non, non, non. Ça ne sert à rien. Immunité gel. Oh. Ok. Ouais, ça faisait un petit moment qu'on avait pas refait de Korogu. Bon, c'est sympa. Tac, le petit Korogu. Donc, celui-là c'est fait. Celui-là c'est fait. Tac, le prochain, il y en a un. Ici. Ici. Tac. Ok. Il y en a un là-dedans. Non, là. Tac. Après, il y a... C'est quoi ça? Ouh. Ouh. Pas intéressant. On va tenter. Et on verra bien. Ok, donc on va se re-TP là. Salut! Tac, alors qu'est-ce qui est le plus proche? Le vert. Tac, ok. Ok, donc une fleur, tu m'as trouvé. À la revoyure. À la revoyure. Attends-moi. Prends-moi ma flèche en plus. Ok, on continue. Le rose dans un premier temps. Tac.
Ok. Coucou. C'est ça que j'aimerais qu'on fasse. Viens pas m'embêter. C'est sympa, d'accord. On reste amis. Ok, pour moi, il est référencé dans cet arbre-là. Non, une fleur, tu m'as trouvé. Ah, la revoyure. Bon. Nous deux maintenant. Le v'là. Il est là-bas. Oula! Mais il me one shot, il me fait trop mal. Ok, attendez, je meurs de chaud en plus. Ouais, mais je meurs de chaud, mais je fais comment, moi? Voilà, ok. C'est pas un assez anti-froid, ça? Ok, ça, c'est bon. Ok. J'ai encore trop chaud, mais c'est une blague. Ah oui, non, mais attends, ok, j'ai compris. Je fais n'importe quoi en fait. C'est tout ça qu'il me faut. C'est la tenue anti-chaleur. J'ai pas de nourriture anti-chaleur, moi. Pendant une minute, ouais, mais ça suffira jamais. Prendre. Mais. Alors, ça marche pas.
Non, vous voyez, ça marche pas. Je sais pas comment l'atteindre. Non, ça marche pas. Bon, bah, je sais pas. Ça, on va laisser. Ça, je sais pas comment on se les fait. Donc, on va les laisser. C'est pas grave. Ok. Du coup, on va partir où? On a un Korogu qui est là. Au niveau du bleu. Peut-être qu'en fait il me faut un morse, je me dis. Je sais pas. Je ne sais pas. Ok, je l'ai pas bien noté. Il est plus sur le côté, il est plus par... par là, ouais. Bah là, en fait, il est. Ça doit être ça. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. À la revoyure. Excuse-moi. Alors. Il y en a quelques-uns. Alors. J'en ai un. J'en ai un là. Tac, j'en ai un autre en dessous. Donc là. J'en ai un autre. Là. Et enfin, le dernier est là-bas. Ok, le plus proche est lequel du coup? Plus proche, moi j'irais du bleu. Bleu, rouge, vert. À faire comme ça. Tac, attention, on a chaud, on va mettre la tenue de toi. Pas mort, je suis vraiment pas tué. Ok, j'ai pas compris sur quoi j'ai sauté, mais j'ai sauté. Tac, 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 on continue. Et on commence à avoir très très chaud. Bon. C'est pas grave. On devrait pas mourir. Pour la chasse. Puis on a Mifa qui est là. On devrait s'en sortir. Ça devrait passer. En vrai. Mais c'est vrai qu'on manque de tenue de... anti-chaleur. Ok, premier Korogu, c'est fait. C'est lequel
qu'on a fait à votre avis? Moi je dirais que c'est celui-là. C'est celui-là. Ou pas. Oui, c'est celui-là. Tac. Ensuite, on va au rouge. On va au rouge. Ça fait très musique de western, non? Vous trouvez pas? Alors. Tac, dans une fleur tu m'as trouvé. À la revoyure. Reviens avec ma flèche, toi. Le vert. Donc le vert qui est avec lui. On va faire gaffe à lui. Tac, c'est bon. Et enfin, on va au niveau du violet. Ok. Genre vraiment, il vient vraiment jusqu'à là? Non. Voilà, retourne chez toi. Ok. Heureusement qu'on voit comme ça avec notre loupe. Et normalement, si c'est bien noté, je devrais y arriver. Par contre, en plus, on pourra même pas sortir TP pour sortir. Oh, la galère. Donc là, je suis sur celui-là, ok. Ok, je suis à mi-chemin. Mon point a disparu. Ah, ok. Parfait. Et il y a un sanctuaire pas loin. Carrément. Alors ça. Ça, on le note. Et donc. D'après ce que j'ai compris. Ok, bon. Il y a un sanctuaire là déjà.
serait là-haut. Et ce serait sur celle-ci. Celle d'à côté. Tu me dis quoi là? C'est ça, ok. Ok, bon, vu. J'ai glissé. J'ai trop peur de tomber. Tac, des petites fées. Vous avez peur. Non mais oh, vous êtes défait, calmez-vous. Bon. Montons. Là-haut. Mais... veux-tu arrêter de me saouler? Ça devient relou là. Voilà. Ok. Suivant, il est... là. Mon Dieu. On va prendre ça et puis on va prendre... voilà. Sers-toi de ma rage quand tu veux.
Bon. Vous pouvez pas aller plus loin. Je suis paumé. Ok, ça va. Oh, ça va, en plus j'étais pas si loin que ça. Ok. Pareil, le même style. Du coup, on a. Tac, suivant, on revient par là toi. Ok, on continue. Alors, on en a un autre ici. Ici, il y en a un. Ok. Le pro et les prochains sont ici. Ici, il y en a un. Tac, et ici il y en a un. Ok. Suivant. Là-haut il y en a un. Là. Voilà. Le plus proche, c'est le vert. Allons au vert. Au revoir. Une petite autre épée. 20. Espadon Gerudo. Dodo. Tu fais dodo. Oh purée, il a un arc lui. Je l'avais pas vu lui. Thank you.
Hey Coco, je suis là. Viens. Ça marche pas. Non. J'ai fait n'importe quoi. Ok. En tout cas. Ah, après c'est toujours le même problème. Étant donné qu'on prend les dégâts, c'est relou. Pour moi, on peut les faire. Mais pas pour le moment. Quoi, je vais apparaître là. Et mais... Oh, les points n'ont même pas été sauvegardés. Oh, t'abuses. Tu abuses. Ok, bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va TP à la cité Gaudo. Et on va repartir de là-bas. On est à 164. Ok, il y en a un qu'on n'a pas compté. Alors, la cité Kéodo. Dans la cité Gerudo, où est-ce que c'est? Ok. Il y en a un, a priori, dans la cité Gerudo, ici, en plein milieu. Là-haut. Lol. Le problème, c'est que je peux pas mettre la tune Zora. Parce que sinon, je vais me faire jarter la cité. Donc, va falloir grimper. Ça passe. Voilà, ok, sale toi. On te tient. Tac, ensuite, toi on peut t'enlever. Ici, on avait dit qu'il y en avait un. Tac, on avait dit qu'il y en avait un où? Qu'il y en avait un là où? Là. Ok. Tac, et si on croise un morse, on l'apprivoise pour aller faire le jaune. Et là, on a froid. C'est vraiment bizarre, je trouve, cette zone. Un coup, on a trop chaud, un coup, on a trop froid. Enfin, c'est vraiment... C'est un mob, c'est pas un morse. Tac. Oh, vous êtes sérieux, vous êtes trop lourd. Wow, 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 wow. Deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes.
ça pète trop pour moi. Ok, donc là c'est en zone hostile. Mais purée, mais Link. Bon. Suivant. Non mais oh. Et l'autre il pionce. Oui, vas-y, avertis tout le monde. Tac. Voilà, allez oust. Merci d'être passé en tout cas. Alors du coup, le Korogu, où est-ce qu'il va être? Parce que nous, je vous rappelle que de base, on est juste venu pour un Korogu. Enfin juste, on est venu pour un Korogu. Après maintenant, où est-ce qu'il est? D'après lui, il est... Il serait par là. Ah. Super, ok. C'est là? C'est celui-là ou pas?
pas celui-là. C'est peut-être plus... Non. C'est celui-là, ok. Ok, je vois ce que je cherche. Maintenant, plus qu'à savoir où chercher. Et c'est pas forcément plus simple. Là. Ok. Là-bas. Et voilà. Ça va. Nom d'une feuille, tu m'as trouvé. Ah, larvoyure. Ok. Suivant, on a noté le bleu qui est en haut. On va faire le bleu qui est en haut. Je suis content parce que mine de rien, ça avance. On en a fait une bonne vingtaine. On s'est fait quelques gardiens en plus. Me saoulez pas. Voilà. Ok, c'est les cactus encore. Mais non, mais... C'est pas gentil d'être méchant. Et je réapparais de là. Mais c'est une blague. Mais quelle sombre blague. Oula, c'est ma gorge qui gargouille, Des melons glagla. C'est pas du tout ce que je pensais. Du coup, ici. Pas taper les fruits. Suivant. On a tout cassé, donc suivant.
Ah là là. J'aime ce jeu. Il y en a un là. C'est qu'on a plus des masses de bouffe hein, au bout d'un moment. Bon, après on peut manger ça. Voilà. Pour le moment, ça va suffire. Merci beaucoup. Alors, a priori, ce serait là-haut. Ok, là. Espérons. Ok, qu'il ne me faille pas un morse. Ok, toujours plus. Oh mon Dieu! Mon Dieu, la vitesse! La vitesse du machin! Alors, le suivant est où? Le suivant est... là-dedans. Tac, 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 tac. Alors... au-dessus, en dessous, au-dessus, en dessous. En dessous, au-dessus. Une fleur. Enfin une... une tournette. Je sais pas comment ça s'appelle. Donc une fleur qui m'a trouvé. À la revoyure. Ok. Mais... ok. C'était le moulin. Ok. D'accord. Why not? Il y en a un ici. Ah! Arrête! Tu arrêtes! Ça suffit.
Tac. Yahaha! Hé hé! Eh, mine de rien, on en a fait 28. Ça va. Mais ma flèche! Mais ma flèche! C'est pas du jeu. C'est pas juste. C'est vraiment pas cool. L'épée de légende a repris son pouvoir. Parfait. D'ailleurs, c'est pareil, on a l'épreuve extrême de l'épée à finir. On a encore pas mal de petites choses à faire en live. Mais bon, de toute façon, je pense que... Enfin, c'est même sûr. Le let's play continuera en live une fois qu'on aura fini, qu'on aura battu Ganon, qu'on aura tout fait. Le let's play continuera en live pour la partie annexe, on va dire. Je tiens également à préciser que je ne ferai... Il y a vraiment un sanctuaire là? Ok, il y a un sanctuaire en face. J'ai peut-être plus une DPS au sanctuaire, du coup. Que, je sais plus. Je voulais préciser quoi. Je sais plus. Je sais même plus de quoi je vais parler. Donc oui, bref, je disais que oui. Le let's play continuera après Ganon, uniquement en live, en let's play secondaire. Chiant à attraper celui-là. Examiner. Yahaha! Suivant. Il y en a un. Dans le sanctuaire, là, il y en a un. Tac, on va vérifier si on est de bon nombre en même temps. Pas du tout. Alors d'après ce que je vois, ce serait peut-être bien là-haut. Ok. C'est là. Tac, 171. Suivant. Alors, il y en a un petit peu partout. Alors, on peut aller. Là, il y en a un. Ok. Là, il y en a un. Là, il y en a un. Là, il y en a un.
Et attendez, j'arrive pas à trouver cette colline là. Ok, ce serait ça. Ouais, c'est ça. Il y en a un là. Mais j'ai plus qu'un marqueur. Ok. Donc on va marquer. On va marquer ici. Ok, et on va se TP du coup. On va se TP là. Comme ça, voilà, on fait celui-là. Ensuite, on va là. Ok. Qu'on va se faire cela et puis je pense qu'on va peut-être pas tarder non plus à s'arrêter. Oh, super. Et deux. Je crois que là, tu vas là. Je peux utiliser ma prière à tout moment. Peut-être là, un peu plus haut. Oui, non, mais ok. Et de deux, et le deuxième, je crois qu'il va là. Tac, nom d'une feuille, tu m'as trouvé. À la revoyure. Oula. Ensuite, on va faire le vert. Ok, donc qui va être. Ok, il va être au milieu là. Tac. On y arrive tranquillement. Alors, à votre avis, en haut, en bas? En bas. Un espèce de 4, ok, donc là. Pour faire le 4. Tac, non, une fleur, tu m'as trouvé. À la revoyure, ok. Bon après c'est pareil, je sais qu'il y en a, enfin il y en a aussi un par là. Voilà, il y en a aussi un là-dedans. On va pas le prendre. On en a déjà pas mal en fait. Surtout ça. Quoique en même temps on pourrait le prendre. Ouais non. On a dit non. Sinon on finit pas, en fait. Surtout ça. Mais quoi? Mais en même temps, je m'y dirige forcément. Ouais, si vous savez qu'on va le prendre. Allez, hop. Il est là. Oups.
résultat, comme ça on aura fait une bonne partie, on aura fait toute la partie de... Bah là, on a à peu près toute cette partie-là. Enfin, on a ça qui est fait. Voire même peut-être un peu plus. Donc ça avance. Ça avance tranquillement, mais ça avance. Cage. On continue. Je te protégerai. Ok. Je t'ai même pas vu. Alors, où est-ce que ça va être? Sur l'arche là-bas, je pense. Auquel est-ce que ça correspondrait sur ma liste? Ça correspond à ça. Ok. Ça va. Ok. Hop, on se recharge. Yahaha! Tac. Ensuite on a le bleu et le violet. Allez voir. C'est parti. Bon allez, tu me saoules. Tu me saoules. Tu me gonfles. Tu me saoules. Tu me gonfles. Tac. Oula. Bonjour, bonne journée, au revoir. Vraiment, vous inquiétez pas pour moi, je ne fais que passer. Ok, donc là on va faire ok celui que je vois là. Par contre, on l'a vraiment pas fait. On a oublié celui-là, il y en a un là. Ah oui, non mais ok, on l'a raté. Ah, vous savez quoi, limite je vais le noter. Je vais quand même le noter. C'est où? Là. Tac, on va le... je vais le garder noté aussi, comme ça j'irai le faire. J'irai le faire. Enfin, on le fera peut-être la prochaine fois.
C'est étrange ça, non? Y'a que moi qui trouve ça étrange. Ok. Mais oh, Link, on est dit solide sur les appuis. Ça paraît étrange quand même tout ça, non? Vous trouvez pas que ça fait très zone... Je sais pas. Zone pour une course, non? Pas du tout. Tac, 175. De rien. Et le dernier pour aujourd'hui. Ici. Ok, à mon avis, ça va être en haut. Plusieurs choses. Ah bah non, c'est là. C'est accroché où? Oh. On l'a entendu. Mais alors où? Là-haut. Et voilà. Une feuille, tu m'as trouvé. Ah, larvoyure. Ok. Bon, voilà, on a fait quelques petits korogus. C'est un petit live de reprise gentil des korogus. J'espère en tout cas, franchement et sincèrement, les amis, que ça vous aura plu. Si c'est le cas, vous savez quoi faire? Vous savez? Est-ce que vous savez? Oui, ceux qui sont sur Twitch, vous allez sur le petit... Vous cliquez sur le petit cœur qui vous permet de follow et vous passez sur YouTube et ceux qui sont sur YouTube, vous vous abonnez, vous activez la cloche pour être tenu informé, pas notification dès qu'une vidéo sort. Merci à tous ceux de la rediff, n'oubliez pas de mettre le petit commentaire, ça fait super plaisir. On se donne à vous très bientôt, merci à tous, c'était pas rendez-vous très bientôt, enfin rendez-vous dans un peu plus d'une heure pour l'épisode du jour. Merci à tous. C'était Para. Bye tout le monde. Salut tout le monde. Bye.